négociations syndicales. Et puis, ça ne nous convient pas, ça nous convient pas parce qu'effectivement, on voit bien que sur le terrain, et si vous êtes déplacé un mercredi après-midi de Lindry et d'ailleurs, on ne peut pas l'accepter, ce n'est pas acceptable. On a du coup boycotté le CDEN. Alors le CDEN, c'est une instance importante parce que c'est là où le BASEN doit donner sa carte scolaire définitive, c'est-à-dire les fermetures et les ouvertures. Il y a quelques ouvertures quand même, mais les ouvertures. Alors nous, on continue à pousser jusqu'au maximum, on ne lâche rien, comme on dit, parce qu'on ne peut pas accepter effectivement que dans un département dont les résultats scolaires sont en deçà des autres départements, eh bien on supprime des postes dans des écoles qui auraient besoin justement d'être soutenues. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on réponde aux besoins du terrain, et pas de répondre aux moyens qui sont donnés, parce que là, on fonctionne un peu à l'envers. C'est-à-dire que Bercy dit, voilà, nous, on vous donne ça comme enveloppe, débrouillez-vous avec. Et nos élèves, ils méritent, et les enseignants méritent mieux que répondre à un budget toujours plus restreint, d'autant qu'on nous annonce la suite, puisqu'on nous annonce 800 millions encore d'économies sur l'éducation nationale. Donc ça veut dire que sur nos enfants, sur l'avenir de ce pays. Donc ça, c'est pas normal, c'est insupportable. Donc on continue à le dire, on continue à le dénoncer. Je vous remercie d'être là, parce que c'est important. Et donc le CDEN qui devait avoir lieu, qui a été boycotté, hein, puisque nous on est venus pour expliquer les raisons du boycott, hein, le préfet était là, le président du conseil départemental, le DAZEN, était là en tant que membre. Et on a boycotté ce CDEN, ce qui fait qu'ils sont obligés, puisque à la fois les organisations syndicales siégeantes et les parents d'élèves n'étaient pas présents, donc ils n'ont pas pu atteindre ce qu'on appelle le quorum, il n'y avait pas assez de personnes suffisantes. Et il est reporté à lundi. Lundi 15h, pour cette fois-ci, une carte scolaire définitive. Donc nous, on pousse encore pour que le DAZEN, eh bien, ce qu'on a demandé, c'est que ce temps entre le dernier CDEN et là, permettent au préfet, on a demandé au préfet, au DAZEN, eh bien, qu'ils aillent au-dessus, nous demander des moyens nécessaires pour éviter ces fermetures annoncées pour l'an prochain. Donc ce qui explique le rassemblement d'aujourd'hui, c'est ben, pour continuer à rappeler à l'inspection académique et au DAZEN qu'on est toujours opposé à ces fermetures. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on soit présent pour rappeler qu'on n'est toujours pas d'accord avec les propositions qui sont faites, que ce soit à Lindry, au Rozoir et partout ailleurs. Les 29 classes qui vont être impactées n'ont pas été impactées. Si on croit, comme nous, qu'il est important que nos enfants, vos enfants, les élèves de Lyon aient les meilleurs moyens et les meilleures conditions pour réussir. C'est pour ça aussi qu'on est encore présent aujourd'hui et pour qu'il y ait de nouveau des fermetures de classes qui soient annulées. Merci, merci. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, effectivement, c'est bien aussi qu'on se fasse, qu'on entende un peu les doléances des uns et des autres, les revendications. Hein. Je sais que par exemple le directeur des Rozoir, à qui je vais donner la parole, nous explique la situation de son école aussi. Puisque, qui voudra, il n'y a pas de souci. Dites un peu de la teneur, c'est sûr que oui, on a décidé de boycotter le CDEN, de continuer la mobilisation, et le directeur académique avait prévu de boucler ça en l'espace d'une semaine, avant les vacances, bah là se retrouve embêté, puisque d'une part on a tous voté contre au moment du CSA, que la mobilisation a été exemplaire, on n'a jamais eu autant de monde réuni, c'était le mercredi juste avant le CSA, où on a eu 34 écoles, je crois, qui ont été reçues en audience, plus de 400 personnes qui sont venues, qui se sont mobilisées avec des enseignants, des parents, des élus. On a une carte scolaire cette année dans le département qui est particulièrement catastrophique, avec 29 postes qui sont supprimés. Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. Là, les annonces qui ont été faites, c'est qu'il y a donc 10 milliards d'économies qui vont être faites sur les services publics, et en l'occurrence 700 millions sur l'éducation nationale. Donc on sait très bien que l'année prochaine, ces rebelotes, ça va être la même chose, qui continue en plus avec le choc des savoirs à remettre en cause l'école de la République et là en l'occurrence le collège avec le tri des élèves. Il y a une mobilisation qui est sans précédent, qui se mène un peu partout, et en particulier en Seine-Saint-Denis,
Vous avez dû entendre parler, il y a eu une manifestation la semaine dernière avec plus de 5000 qui sont allés manifester au ministère pour faire entendre leur désaccord avec cette mesure. Et je pense qu'il est essentiel, là, de rejoindre cette mobilisation parce qu'il y a un plan pour la Seine-Saint-Denis qui est réclamé. Mais ce plan pour la Seine-Saint-Denis, en réalité, c'est un plan pour l'éducation nationale dans son ensemble qui doit être mené nationalement. Donc on a tout intérêt à rejoindre cette mobilisation, à rejoindre les collègues de Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, dès hier, il y a des rassemblements qui ont été lancés et des assemblées générales qui se sont tenues dans les collèges et dans les écoles dans le Rhône. Et qui ont décidé d'un rassemblement et d'une mobilisation au rectorat en fin de semaine. Il y a plein d'endroits où ça commence à prendre. Il y a évidemment la manifestation et la journée de grève de la fonction publique le 19 mars. Mais cette journée ne peut pas rester une journée sans lendemain, avec juste une action sur une journée. Il faut qu'on discute partout, qu'on se réunisse dans les établissements, avec les parents, avec les enseignants, un maximum de monde pour dire stop, pour dire, là je vois des panneaux stop, pour dire stop au saccage de l'éducation nationale qui est en cours. Il faut qu'on puisse dire que là, ça suffit, qu'on a assez donné, que la politique qui est menée depuis des années et des années de saccage de l'éducation, on en a assez, et qu'on en a marre de perdre et de ces journées saute-moutons qu'on peut avoir et qui sont menées, et qu'à un moment, il faut qu'on discute d'une vraie mobilisation qui nous permette de gagner, qui nous permette de faire reculer le gouvernement dans sa politique menée depuis des années contre l'éducation nationale et contre les services publics dans leur ensemble. Je vais juste vous lire pour conclure le communiqué national qui a été fait le 9 mars par mon organisation, par la FNEC-FPFO, et qui dit « Après la provocation du Premier ministre Attal, mettons partout en discussion la grève pour rejoindre nos collègues de Seine-Saint-Denis. À partir de la rentrée prochaine, en français et en mathématiques, dit le ministre Attal, en 6e et en 5e dans un premier temps, les élèves seront dans des groupes de niveau avec les élèves de même niveau. C'était et ça reste une très bonne idée et ça va être appliqué à la rentrée prochaine, je vous assure sur ce sujet-là. Je vous rassure sur ce sujet-là, pardon. Voici ce qu'a déclaré le Premier ministre Attal dans les médias au lendemain de la journée de grève massive dont je vous parlais, initié par les personnels de Seine-Saint-Denis et d'une manifestation de plus de 5000 devant le ministère de l'Éducation nationale. Le chef du gouvernement a donc décidé de répondre par la provocation à la grève qui se développe et s'amplifie depuis 2 semaines en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans d'autres départements. Les manœuvres de la ministre Belloubet, déclarant que les groupes de niveau deviendraient des groupes pour élever le niveau, ont fait long feu. L'entreprise de destruction de l'école publique et de tri social des élèves est bel et bien dirigée directement par Attal et Macron. Après la provocation inacceptable du Premier ministre Attal, et alors que ce gouvernement déverse des milliards d'euros pour la guerre et les budgets militaires au détriment des services publics, la FNEC-FPFO appelle les personnels des collèges, des lycées et des écoles à se réunir dès lundi et à rejoindre la mobilisation et la grève des personnels de Seine-Saint-Denis qui ont décidé la reconduction après une assemblée générale de 450 collègues jeudi. Dès lundi 11 mars, bon là c'est passé mais on peut en discuter dès maintenant, mettons partout en discussion la grève immédiate pour exiger l'abandon immédiat et total du choc des savoirs, l'annulation de toutes les suppressions de postes, des 692 millions de restrictions budgétaires dans l'éducation nationale et la création des postes nécessaires dans les collèges, les lycées, les écoles et les établissements sociaux et médico-sociaux, l'abandon de toutes les mesures de destruction de l'école publique, du SNU à l'acte 2 de l'école inclusive, en passant par la réforme de la voie professionnelle. L'argent pour l'école publique, pas pour la guerre. Merci. La carte scolaire concerne le premier degré, les fermetures de classe, mais on est aussi pour l'ensemble de l'éducation nationale, c'est-à-dire le second degré paye aussi cher son tribut, et comme l'a rappelé Romain, il y a ce qu'on appelle le choc des savoirs, vous savez, ils ont toujours des mots pompeux. En fait, c'est un choc des fermetures, et c'est un choc surtout du tri social. Et ça, on y est totalement posé. C'est à rebours, d'ailleurs, de toutes les recherches en éducation. C'est-à-dire, on sait très bien que ça va être contre-productif. Et pourtant, c'est la décision d'un seul homme, M. Attal. Et on voit bien que sa ministre, Mme Belloubet, avait essayé de revenir un peu sur cette décision. Parce qu'on a commencé à changer les noms, groupe de besoins, que ce serait... Et lui est revenu, certainement, pour faire un peu le coq, hein, j'ai envie de dire, pour dire que c'était lui le chef de la basse-cour.
Et il nous dit, non, les groupes de niveau, on va les maintenir. Il faut savoir que ces groupes de niveau, nous qui sommes là au quotidien avec les élèves, on sait très bien que ça va être catastrophique pour ceux qui vont se retrouver dans les groupes les plus faibles. Ils vont être stigmatisés, le groupe des nuls, vous voyez un peu tout ce qui peut, hein, surtout au collège où les élèves ne sont pas les plus tendres entre eux. Ça va être terrible tout ça. Donc nous, on est totalement et farouchement opposés à ça. D'autant plus que ce système, si vous voulez, prend un certain nombre de moyens sur d'autres disciplines, notamment la SVT qui paye cher son tribut, puisqu'il faut plus de profs de français, plus de profs de maths. Ces profs de maths et profs de français, déjà, on ne sait pas où ils vont les trouver, puisque plus personne n'est intéressé, visiblement, par l'éducation nationale. En tout cas, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent passer le concours. Donc tout ça, il faut le dénoncer. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment un investissement, si on veut effectivement donner le meilleur, et c'est ce qu'on défend, aux élèves, et je pense qu'ils le méritent. Au lieu de ça, justement, on nous propose... des réformes populistes hein, qui ne correspondent pas à la réalité. Des parents ou des enseignants, les délégations qui sont là, qui puissent s'exprimer. Ce que je voudrais juste dire, alors d'abord pour le premier degré, il y a des professeurs du second degré ici qui sont plus calés que moi, mais je vais juste dire une chose qui est commune au premier et au second degré. Quand vous mettez d'un côté les mots les moins bons, je ne vais pas dire les mauvais, mais c'est un peu ce qui est pensé par certains, quand vous mettez d'un côté les moins bons dans un groupe, quand vous mettez de l'autre côté les meilleurs dans un groupe, le meilleur groupe avance plus vite. Vous pensez vraiment que, comme ils le disent, à un moment, les plus faibles vont pouvoir rattraper. Les plus forts auront fait la course encore plus vite que d'habitude. Donc ça, c'est commun au premier et au second degré. Après, pour les détails, les profs du second degré qui sont là, et ce qui a déjà été dit, est totalement juste. Je sais que le lycée de Sens, il y a eu un rassemblement hier ou avant-hier. Ils vont monter en moyenne à 35 élèves par classe. Ça vous donne une idée du respect du gouvernement pour l'éducation. Une dernière chose que je veux dire, que j'ai dit, que j'ai répété au Dazen et que je répéterai toujours. Il faut arrêter de faire des calculs comme on les faisait il y a plusieurs dizaines d'années. Il y a même une centaine d'années, il y avait 50 élèves par classe et ça marchait droit. Ils étaient même en rang comme à l'armée d'ailleurs. Hein. Donc moi ce que je veux vous dire, c'est que les effectifs, ça ne veut plus rien dire. Si on a la chance d'avoir 19 ou 20 élèves par classe, c'est une chance. Ce n'est pas le moment de fermer des postes. Pourquoi c'est une chance? Parce qu'on a une inclusion du handicap qui est 4 fois plus forte qu'en 2005. L'inclusion, on est pour, mais pas coûte que coûte. Quand vous incluez des enfants qui souffrent de handicap ou qui ont des besoins particuliers, pour vous en occuper correctement, quand vous n'avez pas d'AESH, quand vous avez des AESH qui ne sont pas formés, quand vous avez des enfants qui sont perturbateurs, il vaut mieux être 19 que 25 ou 26. Donc arrêtons la comptabilité. Si on a la chance d'avoir un peu moins d'élèves par classe, eh bien on doit dire bravo et on ne doit pas... Les 35, c'est jusqu'à 36 à Sens. Effectivement, ils étaient hier, ils se sont mobilisés contre ça parce que vous imaginez bien qu'arriver en seconde et avoir 36, être 36 dans les classes, eh bien c'est pas donner la chance à tout le monde de réussir. Et ça... c'est complètement paradoxal puisqu'on nous parle de déprise démographique, comme l'a dit aussi Marie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse globale du nombre d'élèves, mais en tout cas les élèves qui se trouvent au collège, ils ne la voient pas la baisse démographique, eux, parce qu'ils sont toujours 30, plus effectivement, tu l'as dit, il y a une inclusion, nous en tout cas avec la FSU pour laquelle on est d'accord, mais qui se fait sans moyens. C'est-à-dire que les AESH, on leur confie plusieurs élèves, on les change chaque semaine, sans parler qu'elles sont dans des conditions de reconnaissance salariale indigne de la France, et voilà ce que c'est l'éducation nationale aujourd'hui. Donc il y a des beaux discours à haut niveau en disant que l'éducation c'est une priorité, mais nous on le voit bien sur le terrain, il n'y a pas de priorité. La priorité c'est l'austérité, comme l'a dit tout à l'heure Romain, c'est-à-dire 700 millions en moins, et on ne voit pas comment ça va pouvoir tenir. En tout cas, là, l'école du tri social, l'école de l'abandon, de la réussite de chacun, eh bien nous on y est fortement opposés, et ce qu'on vit en ce moment dans Lyon, eh bien c'est vécu un peu partout en France. Hier, il y avait aussi tout un mouvement de collèges morts sur Paris, dans l'Est parisien notamment, qui a été fortement suivi. Je pense que la population commence à prendre conscience que derrière les discours politiques, eh bien, la réalité du terrain est tout autre. Et c'est nous, citoyens, qui devons effectivement réclamer, et ça c'est un pouvoir qu'on a, qu'on soit enseignant, personnel de l'éducation ou parents. Je crois qu'il est important, comme l'on fait aujourd'hui, de se mobiliser pour obtenir le mieux pour nos élèves, et les meilleures conditions de travail pour l'ensemble des personnels. Effectivement, n'hésitez pas, si vous voulez parler de votre école, dire il n'y a pas de souci, pour ceux qui sont présents.
c'est ouvert. Moi, c'est jamais plus facile de parler après 10 ans d'expérience, c'est bon, mais... 10 ans ? Bon. 15 ans, par contre. Non, mais c'est vrai que ça soit dans la ruralité, ou effectivement, ou dans les quartiers, on l'a dit, on ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas quand... Alors qu'on voit les difficultés, alors que ça peut être des difficultés d'inclusion, des difficultés de... Eh bien, quand on a notamment des évaluations qui montrent que les élèves ne sont peut-être pas au niveau auquel ils devraient être, c'est complètement incompréhensible qu'on leur retire des moyens. On devrait justement se poser la question comment aider ces élèves pour réussir, pour rattraper s'ils sont un peu en retard. Et là, c'est pas du tout ce qui est proposé. Hein. Là, c'est le tri, on va faire... Alors ça existait pareil dans les années 70, mais on l'a abandonné justement, et à juste titre. Si on veut faire, comme on le dit, une nation, le vivre ensemble, eh bien c'est à l'école que ça se prépare. Et trier les élèves, c'est la dernière bonne idée à avoir. Bonnes idées, vous voyez, moi je devais être dans le groupe des mauvais. Bonne idée de ce gouvernement. Puisque, on l'a dit, mais pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, comme Lucas, je précise, on a vu que quand même, sur la carte scolaire, le DAZN était quand même revenu par deux fois. Et ça, déjà, c'était des gains, bien sûr, qui sont insuffisants. Bien sûr, pour que les écoles qui n'ont pas vu, qui ont toujours leur fermeture confirmée, ben, on comprend qu'ils soient fortement déçus. Mais c'est grâce au collectif, c'est-à-dire c'est grâce à ces rassemblements, grâce à ces mobilisations, que le DAZN a été obligé de revoir déjà deux fois sa copie, hein, et dans un sens plutôt favorable, puisqu'il y a des écoles dont la fermeture a été annulée. On espère encore que, parce qu'il a jusqu'au CDN de lundi, alors CDN de lundi, c'est là où il doit prendre sa décision finale, nous on espère encore, eh bien, à ce qu'ils fassent encore des qu'ils reviennent sur des fermetures. En tout cas, on va se battre à la fois au CDN, et cette mobilisation aujourd'hui participe aussi à faire que le DAZN revoie sa copie. Qui défendent déjà nos enfants, c'est surtout pour les enfants que je suis là, bah, qu'on est là. Notre délégation, notre classe va fermer, bon, alors, c'est quasiment fait. Le directeur nous a dit que ça allait être fait, donc c'est quasiment perdu. Mais quand je vois du monde autour, comme vous, qui assistez pour essayer de garder les classes, je vous tire mon chapeau, continuez. On est avec vous à 200%. Eh bien merci, on peut applaudir quand même. C'est vrai que, à travers, je voulais remercier le maire de Véron, mais à travers lui, tous les élus qui ont été quand même fortement présents. C'est vrai que les élus, ils sont attachés à leur territoire, et la vie d'une commune dépend beaucoup aussi des écoles et de la possibilité justement aux gens de pouvoir mettre leur enfant dans l'école de la commune. Et on sait que dans la ruralité, c'est compliqué. Et nous, on l'a dénoncé aussi, c'est-à-dire que les maires, on sait qu'ils sont attachés à leur commune, ils sont attachés aux citoyens, et ils sont attachés à ce que leurs élèves bénéficient des meilleures qualités. Et eux, ils donnent l'exemple, que c'est parce que très souvent, ils investissent dans leurs écoles, ils donnent les moyens. Et c'est vrai que c'est incompréhensible que des écoles pour lesquelles les maires ont donné des moyens, et bien voient leur classe fermée. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas non plus l'investissement des élus pour leur commune. Et ça aussi, on l'a dénoncé, on le porte et on continuera à le porter, encore en CDN, pour qu'il y ait aussi cette reconnaissance et qu'il n'y ait pas un abandon, et l'abandon qu'on peut le ressentir, hein, il est réel, l'abandon des territoires, c'est ça, les oubliés, et bien on veut pas être les oubliés de ce gouvernement. 18, là, 18 après-midi, 15h, c'est un peu tard dans la journée, mais je pense que c'est pour la présence, j'espère, du préfet. Et donc on siégera toujours avec la même volonté d'obtenir le moins de fermetures. En tout cas, on répétera et défendra chacune, comme on l'a fait auparavant, chacune des écoles. On argumente et à chaque fois, on essaye que le DAZN comprenne, parce que nous, on sait que nos arguments sont bons, mais en tout cas, qu'ils soient entendus et qu'il y ait effectivement une non-fermeture, revenir sur les fermetures annoncées. Oui, je pense que ce qui est important aussi, c'est de rappeler et de le dire et de le redire, c'est que ces fermetures, le DAZN, il les fait parce qu'il gère la pénurie de moyens, qu'il gère aussi des moyens contraints. Et ce qu'on se tue à dire à chaque fois, c'est que simplement, 29 postes supprimés dans le département, c'est pas tenable. Et là, on le voit bien, et c'est ça qui fait aussi cette mobilisation, c'est ça aussi qui fait que là, on dure et qu'on lâche rien, et que même si lui, il avait envie de boucler ça en l'espace d'une semaine, eh ben, la mobilisation tient encore, et qu'on continue à dire non aux fermetures de postes, des moyens pour l'éducation nationale, et que la bagarre est loin d'être finie,
qu'elle va continuer et qu'il faut vraiment partout continuer à discuter, à réunir les collègues, avec les parents, tout le monde, tous ensemble, et ne pas lâcher pour arrêter le carnage qui est en route. Merci. Tout à l'heure, effectivement, on a rendez-vous le 18, effectivement, pour le CDEN de carte scolaire, on va dire. Mais on a aussi rendez-vous sur la fonction publique, parce que l'école est impactée, mais c'est l'ensemble de la fonction publique, c'est la fonction. Et les services publics, on a l'habitude de le dire, en tout cas à la FSU, que c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Et on voit bien que les annonces des 10 milliards d'économies vont se faire sur le dos des plus précaires. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on voit que d'un côté, il y a 200 milliards qui vont être donnés aux entreprises sans contrepartie. Et en même temps, on va faire 10 milliards d'économies sur les services publics. Donc ça, c'est pas tenable. Parce que les services publics, on a besoin. On a vu l'hôpital. L'hôpital est assez exemplaire là-dessus. C'est-à-dire que ce sont des gens dévoués, qui est une priorité pour les citoyens. Et en même temps, on retire des moyens. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a été dit, on ferme encore des lits d'hôpitaux alors qu'on n'a jamais eu autant besoin de ces services. Il en est de même pour l'éducation. Donc il faut rester vigilant, il faut rester combatif, il faut rester mobilisé pour l'ensemble des services publics. Donc je vous appelle à venir nous rejoindre le 19. Alors sur Auxerre, ce sera place de l'Arquebuse. On ira jusqu'en préfecture. On a demandé d'ailleurs une audience au préfet. Parce que ce qui est important aussi, comme tu l'as dit, c'est que même les décisions de Lyon dépendent aussi des fois de plus haut, ça, c'est-à-dire Dijon. Et le but, c'est que ça remonte, puisque les représentants de l'État, que ce soit le préfet ou le représentant du ministère de l'Éducation par le DAZEN, eh bien, il faut remonter toutes ces mobilisations, tout est remonté. Et bah, ils s'aperçoivent que dans Lyon, quand même, ça coince en ce moment. Hein, parce qu'une carte scolaire, comme tu l'as dit, qui devait être faite en une semaine, ça fait un mois que ça dure. Ça fait un mois que dans toutes les communes, il y a eu des mobilisations. Ça fait un mois que le journal Lyon Républicaine régulièrement affiche que dans telle commune, l'école est mobilisée autour de ses élus. Et ça, ça a été important. Moi, j'ai regardé assez régulièrement, eh bien, il y a eu des mobilisations à la fois dans les communes rurales, dans les quartiers, mais aussi sur les collèges et les lycées. Donc tout ça, ça montre quand même un mécontentement et l'opinion publique, on a un vrai pouvoir. Il faut l'utiliser, absolument. Pour faire changer ces politiques d'austérité et ces politiques ultralibérales. On a aussi Murgic qui est présent. Alors, si je commence, je vais te le dire tout le monde. Là, Murgic, est-ce que. Véron, bien sûr. On a Rosoir, les Rosoirs. Donc, on a. Nuit sur Ravière. Oui. Donc, oui, on en. Une petite info que vous avez peut-être vue sur Internet. Qui, moi, me met vraiment très en colère. Encore un petit détail d'argent. Il faut savoir que les petits livrets sur les Jeux Olympiques, avec les petites pièces de 2 euros qui vont être distribuées aux élèves, vous savez combien ça coûte? 18 millions. Je vous laisse imaginer le nombre de postes que ça ferait si on avait mis ces 18 millions pour des postes d'enseignants et pour ne pas fermer des classes. C'est absolument honteux. Tout ça pour donner un petit livret avec des textes bateaux sur les Jeux Olympiques qui vont terminer à la poubelle. Et une petite pièce de 2 euros à chaque élève. Résultat, 18 millions dépensés foutus à la poubelle. Ça, c'était pour l'anecdote. La République vient d'être présente et d'avoir couvert depuis le début nos mobilisations.